Hey, salut à toutes et à tous les amis, c'est Sylvose, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour ce nouvel épisode sur Pokémon version bouclier, et du coup nous poursuivons. On s'est arrêté les amis sur la route 8 en direction de Ludester, et il me semble qu'on arrive à la fin de cette route justement. Il nous reste juste quelques petits dresseurs à affronter et quelques objets à récupérer. On va faire ça tranquillement, tranquilloupidou, et ensuite on va s'attaquer à la prochaine arène. Alors, on commence avec un petit air de feu, histoire de défoncer ce Togedemaru. Et voilà. C'était du rapide. Alors les amis, je ne suis pas allé au centre Pokémon comme je l'avais indiqué dans l'épisode précédent, puisqu'on avait récupéré 3 hyper potions. Donc, on va juste soigner vite fait notre Pyrobut, parce que j'ai pas pris le temps de le faire avant de démarrer l'épisode. Hop, on prend dans notre sac une petite hyper popo. Hop, voilà, et on l'utilise sur Pyrobut. Nickel. D'ailleurs, on ira faire un petit stock d'hyper potions, je pense, quand on arrivera à Ludester, histoire de pas se retrouver dans le mal pour la suite, et puis comme ça, en plus, on aura notre petit stock pour la série. Hop, une pépite, super. Qu'est-ce qu'on a là? Une roche royale, super aussi. Comme ça, on pourra faire évoluer quelques Pokémon. Hop, le Wiggler qui sort de son antre, c'est génial. Ah bah, on vient tout juste d'arriver, bah super. On va juste regarder ce qu'il y a sur les côtés, histoire de rien rater. Un petit Crabarak qui nous agresse, c'est génial. Lui, il doit bien être au niveau 40, je pense, non? 40-41 environ, ou bien plus. 40, ok. Mais bon, ça ne nous intéresse pas pour le moment, comme vous le savez bien. Alors, qu'est-ce que tu cachais? Oh! Oh! Casse-brique, les amis! Ça, c'est une CD qui m'intéresse beaucoup, 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 beaucoup. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut la prendre dans notre équipe? Alors, casse-brique. Oh, c'est une blague, mais pourquoi? Pourquoi personne ne peut prendre casse-brique? C'est... Sérieusement, c'est comme l'autre jour, là, avec choc venin. Pourquoi Zozo peut pas la prendre? Ah là 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 là, la déception, les amis. Qu'est-ce qu'on a ici? Un combat duo. Alors attendez, ce qu'on va faire peut-être, parce que ça fait un moment que je voulais faire ça aussi, c'est qu'on va peut-être mettre Toupa comme deuxième Pokémon de l'équipe, parce que bon, pour les combats duo, des fois, Jito, c'est pas le meilleur des choix. Et mais what the fuck, je suis passé devant eux, ils en avaient rien à foutre de moi, alors. Non mais oh. Regardez-moi quand même, ma dresseuse est toute choupie. D'ailleurs, ce serait sympa qu'on lui change son style prochainement, vous trouvez pas? Elle est toujours aussi mignonne. Mais bon, essayons de voir un petit peu ce que les boutiques nous proposent dès maintenant. Je pense qu'on verra ça dans le prochain épisode. Dans le prochain épisode, les amis, on va faire un petit peu de cosmétiques sur notre dresseuse. Et en même temps, on fouillera la ville. Parce que là, on va arriver à Ludester et je pense que je vais direct aller à l'arène. Parce que j'ai un petit peu la flemme, je vous le cache pas. Bah écoutez, on va faire déjà sur Hippodocus. On va défoncer le Hippodocus. Et après, on s'occupe du Minotaure. Oh bah, j'ai bien fait. Le Minotaure, en plus, il allait se cacher sous terre. Je l'aurais pas pu le taper. Splash ! Et Coquillam. Oh, sérieusement ? Mais what ? Mais what ? Bon, c'est pas grave. Au moins, on va one-shot les deux autres. Allez. Alors, on va faire un petit air de feu sur le Minotaure quand il sera sorti. Et on va faire une Coquillam sur Hippodocus. J'espère juste qu'il n'y a pas de taper. Oh, c'est bon. Ouh, quand même, hein. Il a fait mal. Et toi, tu crèves déjà. Super. Et tout pas, s'il te plaît, tape le Hippodocus, qu'on en finisse. Super. Nice! Alors, logiquement, il leur reste encore un petit Pokémon chacun. Et Toupa monte niveau 38. Parfait. Alors, c'est quoi la suite? Un Lucario. Oh. Et un Berserkat. Ils sont dans la merde. Ils sont dans une merde noire. Hein. Ils s'en rendent pas compte. Lucario, tac, tu vas te prendre un air de feu. Et Berserkat, un petit tunnel, tiens. Voilà. Oh non, sérieusement. Bah oui, forcément, j'ai la trouille, tu peux pas attaquer. J'espère juste que le Lucario visait mon Toupa et pas mon Pyrobut. Fou, c'est bon.
Bah écoutez, on va refaire la même chose, hein. Lucario. Air de feu. Logiquement, ça devrait te mettre bien dans le mal. Oh super, c'est quand même one shot. Ah là là, les amis, j'aime tellement Lucario. Je crois que c'est un de mes Pokémon préférés dans tous les jeux Pokémon confondus. Hein. Lucario, j'adore vraiment le design de ce Pokémon. Il est d'un charisme sans égal. Alors, Berserkat, on va te finir avec un petit Nitro Charge. Ça devrait être suffisant. Et un petit Coquillam à la rigueur, mais dans tous les cas, je pense que Pyrobut aura raison de toi directement. Oh super, c'est bien ce qu'il me semble. Voilà, bah super, on a eu notre petite session XP. Et celle monte niveau 40, il va prendre Machination. Non, ça ne m'intéresse pas. Ah voilà les amis. Alors, est-ce qu'il y a d'autres dresseurs sur notre chemin? Là, il y a une femme avec son Poké Camping. Est-ce qu'elle nous dit ou nous donne quelque chose? Non, elle nous donne juste des petites indications sur le Poké Camping. Elle cache rien derrière sa tente? Non, elle cache rien derrière sa tente. Et qu'est-ce qu'on a ici? Un Champiduit. Annule les effets subis par le porteur quand il utilise une attaque directe sur un autre Pokémon. D'accord. Ça peut être utile, dis donc. D'ailleurs, tiens, j'étais en train d'y penser. On va peut-être, les amis, mettre sur notre Toupa... attendez, c'est où, hein? Les objets, déjà. C'est là. On va peut-être mettre sur notre Toupa la ceinture force. Parce que des fois, le Toupa, il gère de ouf en combat et ça peut être bien utile de qu'il nous reste un petit PV au cas où il se retrouve dans le mal. Comme ça, au moins, c'est fait. Alors, voyons voir Ludester à quoi ça ressemble. Oh, ça m'a l'air d'être vert glacé. Ah bah oui, effectivement. Sur la carte, déjà, ça avait l'air d'être un petit peu une ville un petit peu glacée. Et... oh, c'est un nouveau Pokémon, ça. Effectivement, c'est un nouveau Pokémon. Un Frissoni. C'est une chenille de glace. Bah écoutez, on va directement lancer notre Hyper Ball. Hyper Ball, hop. 1, 2, 3, et tac. Et voilà les amis, on a capturé la Frissoni. Ça c'est un Pokémon pour Agi, ça. Il va se faire une équipe de chenilles, hein, du pâté avec tout ça. Il va se faire une chenipote, un chenipan, une Frissoni. Ah, t'as de quoi faire là, Agi, là, t'as de quoi faire. Ok, ça c'est fait. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Encore des Frissoni. On a un dresseur là-bas, on va pas se le faire, j'ai la flemme. Et nous voilà les amis à Ludester du coup. Donc je me doute que ça doit être une arène de type glace. Et effectivement, c'est bien le cas. On reconnaît bien le logo. Super. C'est quoi ça? C'est le Dar... oh, c'est le fameux Daru marron de Galar. Oh, il est mignon quand même, moi j'aime bien son style. Par contre, je sais pas à quoi il ressemble Darumacho. Je pense qu'on aura l'occasion de le voir peut-être dans l'arène, qui sait. En attendant, on va soigner nos Pokémon parce que je pense qu'ils sont un petit peu dans le mal. Voilà. Comme ça, ils sont tout beaux, tout propres et bien soignés. On va juste acheter également des petites hyper potions. Comme ça, au moins, on se fait notre stock jusqu'à la fin de la série. Voilà, on va s'en prendre 21, voilà, comme ça au moins, on est tranquille. Voilà. Allez, comme je vous l'ai dit, hein, les amis, on visitera la ville, voir s'il n'y a pas des objets intéressants dans le prochain épisode, parce que là, j'ai un petit peu la flemme. On va juste se faire l'arène, et ça ira bien, je pense. Alors, est-ce qu'on a un petit PNJ qui vient nous agresser? Ah, notre cher Nabil. J'ai perdu. Je crois que j'étais pas prêt à me frotter au type glace. Pourtant, j'ai copié la stratégie du frangin. Je pige pas. Enfin, c'est pas grave. Tiens, voilà la carte de ligue de la championne. Étudie-la avant d'aller l'affronter. Merci, une carte de plus. J'ai vraiment du mal à me monter une équipe qui tient la route. C'est compliqué. T'y arriveras, Nabil. T'y arriveras. En attendant... oh, bol masqué! Tu m'avais manqué.
Qu'est-ce que tu me donnes de beau aujourd'hui? Une lune ball. Pourquoi pas? Merci beaucoup, ball masqué. Toujours aussi sympathique. Oh là. Pure mascotte de cette série. Allez, on attaque les amis. Tac. Alors je me demande ça va être quoi la mission? Est-ce que ça va être de la luge? Est-ce que ça va être du ski? Peut-être faire un bonhomme de neige? Je sais pas. Laissons notre cher Guiton nous expliquer le concept. Allez, c'est parti pour l'arène de type glace. What the fuck? Bon, je vais t'expliquer les règles de la mission d'arène de Ludester. Ton détecteur de pièges va te servir à déceler la présence de fosses dissimulées dans le sol. Car oui, sous ce parcours se cachent des pièges invisibles à l'œil nu. Si tu tombes dans l'un d'eux au cours d'un niveau, tu devras reprendre celui-ci. Mais le détecteur de pièges est là pour t'aider, il se mettra à vibrer de plus en plus fort à mesure que tu t'approcheras d'une des fosses. Fie donc toi à lui pour ne pas tomber. Ok. Ça marche. Bon bah on va voir du coup comment ça marche. Ok, donc là il y a un piège. Ok, là il y a un piège. Il n'y a pas de piège là. Ah bah forcément, à mon avis, il voulait que je passe devant le dresseur, donc c'était un petit peu logique. Giorgio! Alors Giorgio, qu'est-ce que tu aimes en bas de beau, hein? Fraser, alright, alright. Ça va être encore une fois de plus, les amis, une arène qui va se faire laminer la gueule. Écoutez, hein, ce que je vous dise, on va faire air de feu. Boum! Ah ouais, hein, fallait prendre Flambino, hein. Fallait prendre Flambino. Bien pratique. Allez, poursuivons. Alors, où est-ce qu'il y a un piège? Il y a un piège ici. Là aussi, visiblement. Au pire, on pourra passer peut-être par ces par-là. Ouais. Non, pas par là. Ah, peut-être qu'il fallait que je passe encore plus derrière. Genre là. Ouais, il fallait passer par là, les amis. Nice! Bah voilà! Ah, on s'est quand même bien démerdé, hein! Alors, c'est quoi la suite? Allez, on va aller par la gauche. Non, tout droit. Tout droit. Plus tout droit, à gauche. Gauche. Non. Bas. Non. Haut. Non! Ok, c'est pas grave, on reprend. On reprend. Hop, on va à gauche. Ok. Non. Là, oui. 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 Non, 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 pas là. Gauche, gauche. Non. Par là. Ouais. 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 Yes. Qu'est-ce qu'on est bon. On est tombé pour le moment juste une seule fois. Parce que je me suis un petit peu empressé. Attends, faut le dire. Crustabri. Ah, c'est vrai que j'avais oublié que je pouvais tomber sur ce genre de Pokémon. Bah, dans ce cas, on va changer, on va switcher. On va peut-être appeler notre cher Zozo, tiens. Notre cher Zozo. Exuviation. C'est quoi ça déjà? Défense du Crustabri baisse. Défense spéciale baisse. Par contre, il va augmenter son attaque. Ouais, c'était sûr. Et son attaque spéciale. Ok. Et la vitesse aussi. D'accord. Bon, en gros, c'est lui qui va taper en premier. Ouais, c'était clair. Coquillam. Il fait mal quand même. Mais moi aussi, je fais mal. Alors, c'est quoi la suite? Ah oui, là, il n'y en avait pas d'autres. Ok. C'est vrai, je pense pas toujours à regarder combien de Pokémon ils ont, les adversaires. Donc, des fois, je m'attends à un truc et au final, non. Si je passe par là, ça passe. Non, non. Non, non. Pas par là. Ok. 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 Alors, je vais me faire ce dresseur là aussi. Je parie que c'est un piège d'aller ensuite directement vers la sortie. Je pense que je dois passer par la droite.
À tous les coups, ça va être ça. Pour la griffe. On va conserver nos ballons brûlants pour le champion, les amis. On va faire des airs de feu pour le moment. Je pense que ça suffit bien pour les one-shot, les Pokémon de type glace. Effectivement, ça marche très bien. Ok, Agito monte niveau 39 et tout pas aussi. Croquefort. Tiens, c'est quoi cette attaque? Oh, de type ténèbre en plus. Un peu plus que t'es terrain jusqu'à ce que l'un d'entre eux tombe KO. C'est un des Pokémon de Pokémon. Ok, oh, c'est sympa, ça c'est même... Oh, c'est... Ça se vaut en fait avec ma chouille. On va laisser ma chouille, les amis. Au pire, s'il y a besoin de la réapprendre plus tard, on ira à l'oubli, on ira au centre Pokémon, à celui qui permet de rappeler les capacités, mais pour moi, on va garder ma chouille, je pense que ça me va très bien. Alors, si on va tout droit, j'imagine que... Ouais, ça doit être piégé. Ah non, forcément. Si, c'est piégé. Faut passer par là. Ok. Là, non, là, c'est un piège. Ok, droit. Tout droit, gauche. Ok. Ok. Non. Là. Non. Putain. Ok. Pocket ton monster. Et c'est bon. Nice! Est-ce qu'il y a un autre niveau? Effectivement. What the fuck? Ah ouais, là c'est vraiment... là, vraiment, je vais devoir vraiment me servir du détecteur complètement, là. Ok. Pour moi, j'ai pas de problème. Droite, ok. Oula, là, il y a un piège. Ok. Là, je peux pas passer par là, ok. Non! Ah! Ok, pour le moment, ça va, là. D'accord. Pour le moment, on est bon, les amis. On est bon pour le moment. Là, c'est piégeux, je crois. Ouais, c'est piégeux. Si je vais tout droit, par contre, ça marche. Ah, attendez, je pouvais passer par là directement. Putain, je vais tomber sur un dresseur, je sens. Effectivement, il y a un dresseur. Ah bah. Je pensais que je pouvais esquiver, mais non. Pour le coup, j'ai pas réussi. Owen, du coup. Seracrawl. Oh, je m'en souvenais plus de ce Pokémon. Bah écoute, mon pauvre petit Seracrawl, air de feu. Ok, deux Pokémon montés de niveau, super. Au final, c'est pas plus mal de se les faire, ça fait gagner de l'XP facilement. Je peux pas passer par là, ok, donc je suis obligé de passer par la droite. D'accord, là on est bon. Comment on est bon? Non, droite. Ouais. Excusez-moi les amis si je parle pas, hein. Là je me concentre à fond. Ah bah c'est bon. Enfin attendez. C'est piégeux encore. Par là. Faites voir un petit peu. Du coup, est-ce qu'ils étaient tous les pièges? Ok. Ah, il y avait bel et bien un piège derrière nous, hein. Je me disais aussi. Ok, bon, attendez, juste avant, les amis, on va soigner nos Pokémon. Hop, le soin, c'est dans cet onglet-là. Hop.
et Zozo full life. Voilà. Bon bah, let's go les amis, hein. Mission accomplie. Allons récupérer notre sixième badge. Enchanté, je suis Lona. Comme tu peux le deviner, je suis entouré d'une équipe de Pokémon classe. Je t'ai vu tomber tout à l'heure. Tu avais l'air complètement perdu, ma pauvre. Ça faisait peine à voir. Enfin, assez tourné autour du pot, il est temps pour toi de trembler de froid. Je vais commencer par geler ton équipe sur place pour qu'elle ne puisse pas s'échapper. Et ensuite, nous pourrons passer aux réjouissances. Que croyais-tu, que je serais douce et gentille? J'ai élevé un gamin difficile. Je sais qu'avec les enfants, il ne faut jamais se laisser aller à la pitié. J'aime bien sa vision des choses, j'aime bien. Mais bon, tu vas te faire rétamer. Ah bah dis donc, il y a du monde au balcon. Excusez-moi pour cette remarque. Blanc de neige. Oh, j'aime bien ce Pokémon, il a un beau style, j'aime bien. A mon avis, ça doit être la dernière évolution de Frissoni. Ça m'étonnerait pas. Bah écoutez, on va commencer avec un ballon brûlant. Hein. On les a conservés, donc autant les utiliser maintenant qu'on peut. Allez. Allez, et demain. Le suivant. Darumacho. Tiens, ça va être le Darumacho de Galar. Alors, voyons voir à quoi il ressemble. Je te préfère... comment t'étais avant, hein. Je te préfère pas comme ça, hein. Berk, t'es pas très beau. Allez, meurs. Voilà. Allez, au suivant. Béca glaçon. Tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, d'accord. C'est un pingouin avec un glaçon sur la tête. Ok. Bah écoutez... Et deux, trois. C'est du fouterie. Quoi? Hein? Oh non, me dis pas qu'il m'a fait une Mimiki, là. Je crois qu'il m'a fait une Mimiki. Vous savez, ça fait comme ça aussi avec Mimiki. Purée. Si j'avais su. Bon, c'est pas grave, il me reste encore deux utilisations de ballon brûlant. Normalement, celle-là, ça devrait le tuer. Allez. Quoi? Attendez, me dites pas qu'il va encore réussir à encaisser mon attaque. Mais wesh! Et je suis censé faire comment? Il se transforme, ok. Mais... Sérieusement? Me dites pas qu'il va encore retrouver son casque là, ouais. Ah, c'est bon. Quand même. Fou. Heureusement, j'ai pas gaspillé mon dernier ballon brûlant. Ok, elle est peut-être sympa, sa capacité spéciale. Hein. Franchement, ça peut vraiment être intéressant. Oh, rebond, ça c'est vraiment très intéressant, ça aussi. Bah écoutez, je pense qu'on va la prendre à la place de double pied. Ça nous fera une attaque de type vol sur notre pied au but. Voilà. Alors, c'est qui ton dernier? Un low class. Un low class. Bah écoutez, je propose que Zozo soit le héros de cet épisode. Pour une fois les amis, ça va être Zozo qui va être dynamaxé. C'est du jamais vu dans cette série. Du jamais vu. Jusqu'à présent, tu n'as vu que la partie émergée de l'iceberg. Le meilleur arrive maintenant. Ok, va pour ton Loclass alors. Allez, c'est parti les amis. Bam, Dynamax et Fulguromax.
Allez, c'est parti pour Super Zozo! Et ouais. Allez, vas-y, fais dynamaxer ton low class. Eh bien, ça c'est du low class. Allez, Zozo, mettons un terme à ce combat. Figuromax! Ah, je pensais que ça l'aurait one shot, mais non. Alors, du coup, tu vas me lancer quoi, toi? Résonance G-Max. Oh, ça va. Ça va, ça va. Ok. Bon, bah, les amis, on en termine avec cette attaque. Logiquement, c'est bon, c'est gagné. Ah, elle a résisté, elle a résisté. Aïe, merde, la météo a eu raison de moi. Non. Aïe, aïe, aïe. Qui est-ce que je vais envoyer? Toupa. Toupa, tu vas être le héros, encore une fois, de cet épisode. En plus, t'as une ceinture, donc tu vas tout défoncer. Tu vas faire un beau machouille. Tiens. Machouille. Nice. Allez, encore un. N'en faites pas, les amis. Toupa, c'est un BG. Et maintenant, son mode Dynamax de son low class va s'atténuer. Allez. Bleh. Allez, il est temps de te dire adieu, low class. Ce fut un match fort amical, mais j'étais meilleur. Et voilà, les amis. Nous avons vaincu la sixième championne. Et nous obtenons, du coup, notre sixième match. Nice! Moi qui pensais te vaincre sans problème, je tombe de haut. Eh bien, ma foi, tu te défends bien. Certes, c'est bien triste de voir mes Pokémon perdre, mais c'est toujours agréable de rencontrer une adversaire digne de moi. Tiens, accepte ce badge glace. Merci beaucoup. Et tac, plus que 3. 2, pardon. Si tu deviens maître, il se peut que mon fils vienne te défier. S'il se présente devant toi, mets-lui une bonne raclée, veux-tu? Ça lui apprendra la vie. Pas de problème. Et on remporte la CT27 Vanglace, les amis. Je me demande si un de nos Pokémon peut la prendre. On va voir ça. Hop, donne-nous l'uniforme aussi, tant qu'on y est. Voilà, merci papy. Alors, regardons si quelqu'un peut apprendre vent de glace. Même si j'en doute. Alors attendez, c'est tout en bas. Non, personne. Bon, ça m'étonne pas. Ok, est-ce que quelqu'un nous agresse quand on sort de l'arène ou non? Ah, Sonia. Super combat! C'est pas une arène facile à surmonter, mais tu as assuré. Quoi de mieux pour fêter une victoire qu'un bon restaurant? Et ça tombe bien, il y en a un à Ludester. Allez, te fais pas prier, on se retrouve à Bob's Grill. Il y a un truc dont je voudrais te parler. D'accord. Bob's Grill. Ça me fait penser à Buffalo Grill ou encore à Cook and Grill. Ok. Oh, un petit objet là. Deux capsules attaque P+. Ok. Bon bah écoutez les amis, je pense qu'on va s'en arrêter ici pour cet épisode. Hein. Un peu plus court aujourd'hui, mais... Les choses les plus courtes sont les meilleures. Enfin, ça dépend du contexte.
on va s'en arrêter ici pour cet épisode, comme ça dans le prochain, on se fouille un petit peu la ville, on voit pour peut-être changer un petit peu de tenue, voire même de coiffure, hein, pourquoi pas. Et du coup, ben voilà, on se dit à jeudi les amis, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit j'aime ou un petit commentaire, ça me fera très plaisir. Et je vous donne donc rendez-vous dès jeudi pour la suite. Allez, prenez soin de vous, sortez couverts, et bye tout le monde.